What's good, YouTube? It's your boy Savvy Got Bands, back with another reaction, back with his friend Traps. So if y'all don't hit the subscribe and like, comment, number, follow my Twitter. I draw all this stuff. Y'all been liking these Aiden vids. Y'all been wanting Mr. U. I don't know about him. I'm going to be 100. I did not know nothing about him. No music, no nothing. But y'all want this heavy. Y'all want this heavy. So yeah, get this like 100 likes, 150 likes. Shout out to you. Yeah. Soon, I'ma be there, soon. Wesh les gars, après la cavale de la crime, je vous ai proposé une vidéo sur la cavale de Mr. U. J'ai donc été très agréable. When I hit 20k, y'all can say yeah, I was there. Surpris de vous voir aussi nombreux à réclamer celle de U. Donc allons-y. Comme d'hab, pour ceux qui ne connaissent pas forcément en profondeur l'artiste, on va faire un petit retour sur les débuts de sa carrière. Mr. U, ou Younes Latifi, marocain, né le 5 février 1984, il grandit dans le quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Comme marocain, né le 5 février 1984, damn. Let me know down below in the comments what year you was born. I'm just joking. I respect the old niggas. Let me know down below in the comments. Il grandit dans le quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Comme tous les grands rappeurs d'aujourd'hui, il tâte les freestyles à droite à gauche et commence à faire 2-3 conneries. Il grandit, sort 2 projets. And just for fun, try to guess how old I am. Just for fun. Ange mi-démon, cocktail de rue. En 2007, il est impliqué dans une affaire de trafic de stupéfiants. Dénoncé par un de ses potes, le fameux Clément, retenez, ça sera très important par la suite, il sautera du deuxième étage pour échapper à la perquisition et donc à son arrestation. La dédicace de ma vie à la mère à Clément, plus fils de poucave de c'est une balance les gars. Allez, sa mère. Si vous le trouvez celui-là, de ma part. S'il y a vraiment eu des preuves. T'as pas entendu? Diakité, Belle m'a dit, ils ont opté pour l'inertie. Bazou m'a dit que l'OPJ il a pas arrêté de te dire merci. Poucave de merde, j'ai pas fait l'hiver au Mexique. Puis là, je veux pas te rater, je vais te fumer. He's passing. My French niggas, he's spazzing. Mon vrai stick, hey Clément, au 36, t'as pas fait de crise d'épilepsie, t'as pas avalé ta gueulant, t'as pas fait de crise d'épilepsie. Ah poto, mais si tu veux être un mec de la rue, faut rester un mec de la rue. Condamné à 5 ans et 18 mois, il avait déjà fait 3 peines auparavant. Face à cette peine, Yu préfère s'enfuir que de retourner en prison, et surtout voilà. Du fait de ne pas perdre sa renommée naissante. Des petits deals pour subvenir à mes besoins, à défaut de travail, à études. Je me suis retrouvé en cavale, et ça a été médiatisé. J'avais pris 5 ans, j'avais du sursis qui traînait, j'étais condamné à voilà 5 ans et 18 mois. J'avais 6 ans. Gacha shout and abonné to my shit. Yes, risky. Abonné. Combien j'avais pris 5 ans, j'avais du. Cause y'all should have abonné right now. Y'all should have abonné. No. Change it. Sursis qui traînait, j'étais condamné à abonné. Yes, risky. Abonné to my shit. Voilà 5 ans et 18 mois. J'avais 6 ans et demi à faire. Tout le monde s'est fait attraper sauf moi à l'époque, j'ai réussi à m'enfuir de chez moi, j'avais sauté par la fenêtre du deuxième étage. Ça allait être ma 4e peine de prison, donc je connaissais la prison dans le sens où voilà, j'y étais déjà allé plusieurs fois. Et à la fin quand on se dit bon on doit y retourner, c'est toujours un peu chiant. Donc j'ai préféré à l'époque fuir, surtout que je commençais à avoir une certaine renommée dans le rap. Donc je m'étais dit à l'époque waouh, c'est ça ou... I'll be telling you about all these niggas, all these rap niggas be going to jail. But when they come out, it's scary. When they come out, it's scary. It's scary. It's scary when these rap niggas come out. Out of prison. Bon ça, voilà, donc fuir mes problèmes de justice. Mais pas pour en créer d'autres. Justement, j'ai fait quoi? J'ai fait que enregistrer pendant cette période de cavale. J'ai enregistré plusieurs albums. Et le concept à l'époque, c'était arrête-tu si tu peux. Il s'enfuit en Bretagne et dans le sud de la France. Il essaye d'enregistrer des titres à droite à gauche, mais bon, en cavale, ça reste bien compliqué. Il sort La Rue Séparo avec le fameux titre éponyme La Rue Séparo, qui fera écho à la fameuse balance Clément, ainsi que Lettre à un traître. Tu m'as trahi, Merlis, tu pourras pas tromper, tu me fais pas la bise, ta bouche sans vite de Clément Pétieux à travers les barreaux. Moi le ciel, je fais que le maté, là je fais plus de sport, parce que le sport me fait colmater. Ta putain avant-garde, t'as foiré le diplôme du bras, je peux mettre à hic et le bras, pour te fumer, me faudra 4 tas. Une rafale, je vais engager les petits de la place. Au 14 rue Rébéval, ils vont venir t'allumer ta race. A cause de toi, je suis en cabane. Pareil que tu kiffes les bananes. J'ai vu le 36 à Poyeman et j'étais dans la caravane. Sur le projet, on peut retrouver Maître Gims. You traînait beaucoup avec la section d'assaut à cette époque-là. Il revient à Paris en 2009 pour commencer son projet et mouvement Arrête You si tu peux. Faisant référence à l'époque au fameux film de DiCaprio et Tom Hanks du même nom. On peut y aller. Mais là, vas-y, 5 piges plus il m'avait déjà évoqué plus de 15 mois, je crois, un truc comme ça. C'est-à-dire, vas-y, c'est trop là. Plus de 6 ans, vas-y. Arrête-tu si tu peux. Pour les ventes de cet album, Lacrim et You avaient découpé des plaquettes de shit et les avaient mis dans chaque CD. Mais maintenant c'est quoi? J'ai fabriqué la pochette, je suis parti moi graver les CD, c'est les pressés. But was y'all listening to Mr. You?
Was y'all listening to him heavy? Let me know. More than Booba? More than Karis? Let me know. Where y'all ranking these this nigga right here? In y'all OG list, top 5 and shit. He up there? He up, Mr. You up there? Moi j'ai tout fait. J'ai eu du shit dans les CD. Celui qui m'a acheté mon CD, il avait 2-3 joints. This is the first time I'm hearing about this nigga. This is the first time I'm ever hearing about Mr. You. Les CD, c'est nos fanés, tout bien. C'était... Même les mecs qui vendaient les CD dans les magasins de disques, ils savaient pas qu'ils vendaient du shit dans les CD. T'as vu, c'est vraiment, c'est... c'était subtil. Il y a pas eu beaucoup d'exemplaires. C'était pas des milliers, t'as vu. Mais quand même, ça, au moins, c'était histoire de faire parler. Et histoire de... J'avais promis de fumer un petit joint avec mes auditeurs. Moi, j'ai pas pu le faire. Moi, j'aurais coupé 2-3 joints, ils les ont fumés. Voilà, à la nôtre, les gars. Et aussi, tu viens de faire un truc qui s'est jamais fait dans le rap français. On avait vu un moment Mister You qui avait dit « J'ai mis du shit dans chaque CD ». Ouais, il l'a fait, j'étais avec lui. Ah, c'était vraiment vrai alors? Ouais, je l'ai fait avec lui, on l'a découpé, on l'a mis dans le CD, on l'a ramené sans le dire au mec du magasin. Et le mec du magasin, le mec du magasin, il a appelé You et tout, il voulait pas lui répondre. Et moi, j'ai pris le téléphone et tout, il m'a dit « Ouais, tu peux passer à la boutique et tout, nanana et tout ». J'ai dit « Vas-y, je vais aller ». J'y vais, et le mec, il avait rien vu. Il m'a dit « Putain, c'est parti comme du petit pain, ramène-moi 200 encore ». Je vais, on lui ramène 200 et tout, le lendemain, il m'appelle. Ça y est, les gens, ils sont venus, ça y est, ils revenaient racheter des CD juste pour fumer, ah, ils disaient partout dans le magasin. Ah bon ? Il a pété les plombs, mec, il a dit « Faut plus jamais faire ça, les gars ». Ça m'a beaucoup fait parler. Pour sortir son... What do you say right here? You're saying like, people keep asking him to drop music and shit. People keep feeling for his music and shit, asking when he dropping shit, let me know. Partout dans le magasin. Ah bon? I think he's saying some shit like that. Il est pas mec, il a dit faut plus jamais faire ça les gars. Ça m'a beaucoup fait parler. Pour sortir son deuxième projet de cavale, présumé coupable, il cherchait quelqu'un pour s'occuper de sa distribution. C'est Fief de Bouscapé qu'il redirigera vers Musicast ainsi que chez Believe. You était à fond dans son projet, il enchaîne les interviews et freestyle, avec Bouscapé seulement, et ne se mélange pas trop avec d'autres médias, question de sécurité. Il prévoit même de se rendre en janvier 2010 sur scène avec un concert qui se nommerait Venez me chercher. Ouais, comme ça, même les keufs ils sont au courant. Il y a le concert en janvier de Mister You Got a photo. Et vas-y, comme ça, moi, même si j'irai pas me rendre, mais même si au moins vous m'attraperez dans mon concert. Et la tête de ma mère, hein, que ça va partir en émeute. Ça va être la guerre. Janvier, n'oubliez pas, après le street album Présumé Coupable, le concert, venez me chercher. Portel You Got a. Pendant Présumé Coupable, il avait également sorti plein de vidéos. Les tout premiers vlogs. Bon, c'est clair que c'est pas du tout les mêmes vlogs que Enjoy Phoenix, mais ça n'en est pas pour autant incroyable. On avait rendez-vous à 23h, il est minuit 10. T'entends les gyrophares? 19h, ça fait flipper photo. Comme ça, avant, on va se faire. What? Là, il y a Présumé Coupable et après, ouais, on va continuer un peu à se brûler dès qu'ils nous attraperont. Ça, je suis en train de justement préméditer. Le moment où je serai en cellule, tout ça, ben j'ai déjà fait comme si j'enregistrais en cellule en fait. Là, pour l'instant, il y a eu 5 ans et je crois 15 ou 18 mois, ouais, un peu plus de 6 ans en tout. C'est des peines qui font mal à la tête, mais tu sais, c'est que les chiffres. C'est-à-dire après, tu sais, quand ils te mettent 6 ans, tu ne tournes pas 6 ans. Vas-y, dans ma tête, vas-y, dans 2-3 ans, je suis dehors. Inch'Allah. Sauf que Mister You se fera attraper devant chez Believe. La BNRF, la Brigade Nationale de Recherche des Fugitifs, avait donc mis Fief de Bouscapé sur écoute. En fait, ils ont vu que j'avais de la tue sur Bouscapé. So what's the big thing with Mister You? What's the big thing? He went to prison just before his hype. He had a hype, kinda. He low-key had a hype. He went to prison. He got out. The hype expanding and shit. Y'all fuck with his music heavy? Et que j'étais en contact avec le mec de Bouscapé, donc ils ont remonté et ils ont réussi à, voilà, à remonter le mec de Bouscapé. Un jour on avait rendez-vous lui et moi et ça a été le rendez-vous, il a été pris. I'm looking for the interesting part. I'm looking why this shit, why y'all wanted me to watch this shit. What's so et interesting voilà, about Mr. You? I want to see what happened. Attendez quoi. Le 3 décembre, il part en prison pour un an, bien loin des 5 ans et 18 mois annoncés. Le 3 décembre, il part en prison pour un an, bien loin des 5 ans et 18 mois annoncés, incarcéré à la santé. Coïncidence plutôt drôle car il sera incarcéré en même temps que Seth Gecko, qu'il connaissait déjà d'avant. Ils en feront même un son nommé Zoukatablex. Le projet étant presque fini, You arrive à contacter son entourage à l'extérieur de la prison pour faire fonctionner le deal avec Musicast et sortir Présumé Coupable. C'est donc en mars 2010. Présumé Coupable sort. Brulux et Lacrim sortent une vidéo et créent un mouvement pour faire parler de l'album à la place de Mister You, qui lui ne peut donc pas se rendre dans les médias, faire des freestyles ou autre contenu de la sorte pour faire de la promotion, mis à part Bouscapé qui avait gardé du contenu en prévoyant ces événements. A Mister You, Gataga enfoiré. À tous ceux qui sont au placard et qui l'ont cantiné. Marco, Gataga, même derrière les barreaux, 4 piges, 5 piges, 3 piges, rien à foutre. Même derrière les barreaux, il représentera toujours Paname. Brrr.
Petite. Nah, even gonna lie, this shit crazy though. Todd, c'est également sur ce projet. Mister You mettra en lumière La Crime en le faisant poser sur le titre La Rue à ses 10 bancs, qui a été un énorme carton et un gros classique par la suite. Mister You continuera à mettre en lumière d'autres artistes, notamment sur Mec de rue, MDR, la mixtape d'après Présumé coupable qu'il réalisera en semi-liberté. Il était libre la journée, mais obligé de retourner dormir le soir à 20h en prison, excepté les week-ends. Il tape le 10. Nah, but look, it's crazy. The part that's crazy. I look, he forgot. So all this shit going on and he in prison, right? He in prison. So he releasing all this music, all this shit, music videos coming out, but he in prison. That part crazy. That part crazy. Artiste, notamment sur Meg. That's why y'all wanted me to watch this shit. When I said I'm not getting what's so important, I look for guy in prison doing all this shit. MDR, la mixtape d'après Présumé coupable qu'il réalisera en semi-liberté. Il était libre la journée, mais obligé de retourner dormir le soir à 20h en prison, excepté les week-ends. Il tape le disque d'or. Except weekends. Nah, but that shit. How we do that? How we do that? How we do that? Pour la journée, mais obligé de retourner le soir à 20h en prison, excepté les week-ends. Il tape le disque d'or sans aucun stream, que du physique, ce qui, pour l'époque, est vraiment un truc de ouf. En France, je dirais dans le monde, c'est la crise du disque. Et franchement, recevoir un disque d'or pour une mixtape, tout en sachant qu'il y a des artistes plus anciens que moi, qui ont plus de renommée, qui ont fait beaucoup plus leurs preuves que moi sur le terrain, et qui eux-mêmes... How we do that? How on the weekends you're not in prison and shit? How we do that? N'ont jamais reçu de voilà de disque d'or pour des. I know they do that with kids. I know they do that with like youth offenders and shit. Like when you're like under 18, you can go home on the weekends depending where you at, where you from and shit. But how we do that? How we do that? On pas sorti un. Is he a rapper? They look through the fingers and shit. They give him a pass and shit. Let me know. How the fuck you do that? Can normal niggas do that? Can normal niggas got weekends off in prison and shit? Let me know. Let me non, know. Non, là, franchement, mon public. If I shoot somebody in Paris, right? They give me 20 years. Can I get the weekends off? Can I get the weekends off? If they give me 20 years, can I get the weekends off, alors, nigga? Faut que je lui rende. J'ai essayé de tout donner voilà, sur MDR2 et d'inviter du monde. Il sort enfin Dans ma grotte, son premier album en 2011, très introspectif, parlant en partie de sa détention ainsi que de sa cavale, disque d'or puis disque de platine. Pas la peine de préciser que c'est un immense succès. Il reviendra avec Le Prince, Le Grand Méchant You ou encore Hasta la Muerte plus récemment. En voir les récents singles ainsi que les interviews à droite à gauche, il est fort possible que You sorte un projet cet été. A quel point la cavale a influé sur la carrière de Mister You? Est-ce qu'il aurait pris plus sans toutes ses dérives judiciaires? Ou est-ce que c'est plus un avantage? J'attends vos avis en commentaire. Si on atteint 10 000 likes et qu'une potentielle mini-série vous chauffe, pourquoi pas faire un troisième épisode sur un artiste? De tête, j'ai pas directement de rappeur français, mais ça peut se faire aux États-Unis. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous êtes chaud. Je vous prends simplement quelques secondes avant la fin de la vidéo pour un projet qui peut fortement vous intéresser. J'ai envie de donner le peu de visibilité que j'ai à des rappeurs et des beatmakers talentueux. C'est pour ça que j'ai créé le 7 Up ou le Up 7, t'appelles ça comme tu veux. Sur cette chaîne, j'uploaderai des sons qui m'ont vraiment plu ainsi que des instrus. Le but par la suite, c'est de faire collaborer tous les gens qui auront été upload sur cette chaîne entre eux pour former une vraie communauté et créer de vrais projets ensemble. Pas forcément besoin d'être upload sur la chaîne pour collaborer également avec d'autres gens. Sur le Discord du Hub, vous pourrez retrouver des beatmakers et des rappeurs avec qui ça sera sûrement super intéressant d'échanger. Alors c'est pas réservé uniquement qu'aux beatmakers et aux rappeurs, si vous êtes simplement un viewer, vous pourrez venir échanger, etc., discuter de rap, et ça sera avec un grand plaisir, j'y suis souvent en vocal si ça vous intéresse. Pour ça, je vous invite à suivre la chaîne qui sera en description, à m'envoyer vos sons à cette adresse. Merci, you got some songs with English subtitles, let me know down below in the comments. But... If he don't, his song goes so crazy and y'all want a reaction, let me know. Et ainsi qu'à rejoindre le Discord en description également. Je veux vraiment que le 7 Up soit une extension de la chaîne, une genre de communauté. Ça m'intéresserait aussi vraiment de trouver une team de podcasters, alors si vous en êtes une ou que vous en connaissez une, n'hésitez pas à me faire signe. N'oublie surtout pas que si tu... I know some of you niggas still et tu as s'abonné. Abonne, tu likes et tu... Abonné. Tu vas gagner 150 000 balles. C'est pas moi qui le dis, hein. Enfin... Yes, sir, shout out to Eden. Eden got it. Eden got it, yes, Sirski. If y'all fuck with this reaction, hit the subscribe and like, comment down below, follow my Twitter, I draw all that stuff, and I'm out.